Dinor, CDF. Attention, lance grenade. Salut à tous et à toutes, c'est Tino, c'est Dev, de retour pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je suis là pour vous présenter l'épisode numéro 5 de World Building. J'espère que vous êtes très bien, les gens. Et cette fois-ci, on se retrouve donc pour cet épisode numéro 5. Et on se retrouve sur cette map FK10. J'espère que vous êtes très bien, les gens. Et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Vous avez eu officiellement, mercredi, en même temps que World Building, la map survie. Donc ça, c'était une petite surprise que je vous avais pas dit. Donc maintenant vous l'avez, donc vous pouvez jouer, allez-y, jouez autant que vous voulez. Allez, en téléchargement, on va aider Nicolas à faire ceci. Mais avant tout ça, je tiens à vous annoncer autre chose, c'est que Sky a officiellement fini la FK9. Depuis au moins une semaine. Donc je vais la mettre sur YouTube à partir de demain, les gens. Et ouais, à partir de demain, pas avant. Et voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Donc voilà. À partir de demain, vous avez la FK10 en téléchargement. Donc je vais faire le trailer. Le trailer est déjà fait, hein, vous inquiétez pas. Mais je vais vous la mettre seulement demain. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Donc, j'ai pas eu vos retours, parce que forcément l'épisode numéro 4, vous l'avez pas encore vu. Vous avez même pas encore vu le 3 pour moi, donc c'est pour vous dire. Donc voilà. Juste j'ai pas encore eu vos retours, mais je les aurai pour le prochain épisode, vous inquiétez pas. Des deux épisodes que je tourne là maintenant, donc des 3 épisodes que vous avez pas encore vus. Mais voilà. Donc c'est ce qu'on doit faire, on doit mettre de la terre jusque là, et je commence à attraper la flemme, donc je sens qu'on va faire autre chose, je sais pas quoi, mais je sens qu'on va faire autre chose. Non, on va faire ça, parce qu'on a pas le choix, il y a que ça qu'à faire, donc là c'est parti. Donc voilà, si après vous voulez venir m'aider sur les maps, n'hésitez pas à m'ajouter, éventuellement on pourrait, pourquoi pas, faire une petite partie ensemble. Et si c'est du coup de la construction de map, c'est pour faire correctement les gens, sinon ça sert à rien. Parce que vous voyez ça, pour moi, c'est n'importe quoi. Peut-être Nico qui l'a fait, mais c'est n'importe quoi ce qu'il a fait, parce que tout simplement, s'il recouvre toute la surface, en fait, après il dit j'ai fini, puis tout l'intérieur n'est pas fait, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Moi, si je fais des maps, c'est pour faire les choses bien. Parce que si je remplis pas l'intérieur, le mec qui va arriver comme ça, le premier jour du FK, il va dire je creuse pour aller dans les mines. Ah, il va tomber de 20 blocs de hauteur, il va faire « what ?» Voilà, c'est pas trop le but, donc pour éviter ça, on va faire petit à petit. Bah, c'est pour ça que je dis commencer toujours par en bas. Après, c'est à vous de voir. Autre parenthèse, pour ceux qui utilisent les potions, pendant que je l'ai déjà dit, je le répète encore, pas comme ça vous l'aurez bien assimilé, pour ceux qui m'aident sur les maps, n'hésitez pas à prendre des potions, potions de rapidité, potions de tout ce que vous voulez. Personnellement, je joue sans potions, donc toutes les potions que vous mettez, ne les mettez pas en splash et surtout pas aux autres, mais prenez-la à boire, comme ça sera plus simple. Parce que Inajan qui m'a mis j'en ai déjà eu plein qui m'ont mis des potions de rapidité, je déteste travailler avec. Voilà, c'est tout. Je sais pas pourquoi je déteste travailler avec, donc voilà. Donc éventuellement, vu que j'aime pas, je travaille pas avec. C'est logique. Petit avantage. Donc voilà. Ah oui, je devais vous dire ça aussi. Vous voyez, je me souviens du truc au fur et à mesure. Alors, c'est officiel. Cette map sera pour la saison FK4. Donc ça sert à rien de tout de suite vouloir gueuler dans les commentaires à dire « Je veux participer !»
Je peux pas faire participer tout le monde, les gens, vous êtes bien d'accord que. Mais je prends toujours des personnes qui sont pas passées dans les FK pour l'instant. Donc on avait eu JKX pour la saison 1. On avait eu Alan, Proz et Galaxy pour la saison 2. Et moi, donc forcément. Moi je suis obligé de repasser vu que je suis youtubeur qui tourne, donc forcément. On avait eu. On a eu pour l'instant. C'est qui pour la saison 3? Il y a Jason. Il y a. Merde. Froze. Il en manque un. La chose. Donc le truc machin chose. Pour la saison 4, il y aura donc moi. Il y aura mon frère, donc Tilapia, qui a fait la maison là-haut. Il y aura normalement, si je dis pas de bêtises, Nicolas. Et il y aura Alem. Voilà. Donc pour l'instant, c'est sûr et certain. Après, j'hésite encore. Je sais pas encore si Nicolas fera partie de cette saison, tout simplement parce que c'est cool, il m'aide et tout. De toute façon, c'est ce que je veux. Je récompense principalement les abonnés qui m'aident. Après les autres, je m'en bats les couilles. Oui, je les laisse de côté. Parce que c'est quand même ça le plus important. C'est ceux qui m'aident sur les maps, ceux qui sont qui jouent, on va dire, au quotidien avec moi. Donc Nicolas, c'est celui qui joue le plus. Il y a Alem, il y en a d'autres. Hein. Il y a Christopher et tout, j'en passe, c'est les meilleurs. Mais voilà, ce qui va être, c'est que je sais pas si je vais prendre Nicolas pour cette saison. Donc Nicolas va sûrement être dans la saison 5. Mais en tout cas, il fera une saison avec moi. Je sais pas quand, mais il fera une saison avec moi. Et parce que dans la saison 4, en fait, je voudrais prendre un autre youtubeur. Comme ça, il peut filmer son point de vue. Donc comment dire, les équipes sont pas encore définies. Donc il y a pour l'instant il y a une place vacante. Donc si vous êtes youtubeur de plus de 500 abonnés, si possible, ça serait cool. Après, on s'en fout du nombre d'abonnés. Hein. Je vais vous dire un youtubeur qui principal, c'est que vous avez une bonne qualité d'image. C'est ce que je vais vous le dire. Une bonne qualité d'image. Que vous n'êtes pas un kikou. Donc vous n'avez pas une voix de. On va dire ça comme ça, même si c'est un peu violent de puceau. Voilà, c'est tout ce que je cherche. Un mec qui a la tête sur les épaules, qui ne trichera pas, même s'il est mauvais en FK, qui n'a jamais fait de FK de sa vie, hein, vous pouvez venir et me dire, voilà. Principal, c'est qu'il est youtubeur et qu'il peut prendre son point de vue sans aucun souci, parce que j'ai déjà fait une saison de FK, donc la saison FK 1, pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller la voir, d'ailleurs je vous la conseille. Elle est un petit peu chelou parce que j'avais fait avec un youtubeur, donc il y avait en ce temps-là le même nombre d'abonnés que moi, donc il avait entre, si j'ai pas de bêtises, ah non, non, lui il avait 70 abonnés, moi j'en avais 500 et quelques, ou j'en avais moins, je sais plus, bref, j'avais quelques, on avait à peu près. En grosso modo, même, je m'en souviens plus. Je sais qu'il était plus petit que moi, mais. Enfin, plus petit, plus grand, j'en sais rien, mais en tout cas, il y avait un peu moins d'abonnés que moi, je crois. Et en fait, tout ça parce qu'il perdait, et ben il a pas eu upload la saison sur sa chaîne, voilà, tout simplement. Donc il disait qu'il avait eu des problèmes d'enregistrement, soi-disant, je sais pas quoi, mais en fait, il s'en battait les couilles, quoi. Clairement, et c'est limite s'il a. On me le dit, mais après je suis pas sûr, mais c'est limite si on m'a dit qu'il avait pas triché dans la saison 1, donc c'est pour vous dire. Après, je sais pas, j'ai pas été vérifié. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire. Si jamais vous êtes Nick Taras, voilà, youtubeur, vous avez la tête sur les épaules, vous savez ce que vous faites. N'hésitez pas à venir, mais, à venir poser votre candidature en MP, ça serait cool. Et après, je ferai un tirage. Pour celui qui veut éventuellement. Merci. Pour retourner à ton boulot, Nico, c'est cool. Ouais, on avance vite, hein. Donc voilà. C'était pour vous dire ça. C'est tout ce que je veux. Après, éventuellement, si après il y a personne qui est dans ces eaux-là, donc un peu plus de 500 abonnés, qui a une voix assez. Avec qui je m'entends bien. C'est surtout ça, en fait, le souci. Faut pas que. Ce que je veux pas, c'est les faux culs en fait. Surtout ça. Voilà. Donc, faudrait un youtubeur avec qui je m'entends bien et qui est cool. Après, le nombre d'abonnés, je vous dis, on s'en bat les couilles. Hein. Le principal, c'est que le mec, il triche pas et qu'il a une bonne qualité d'image. Voilà, c'est tout ce que je veux. À part ça, je crois que
c'est tout. Voilà. Ah, on va être emmerdé pour là, putain. Salut toi, comment tu vas? Clébard de merde. Par contre, j'ai toujours pas eu de retour pour ces tours. D'ailleurs, il y a un cochon dans la tour, comme en mode normal. Bah, t'as pas les couilles, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te défonce, moi? Qu'est-ce qu'on va faire dans les tours? Est-ce que je les remplis de lave? Parce que malgré qu'ils peuvent pas attaquer par... par là, parce qu'il y a de la lave, ils peuvent quand même attaquer par les tours. Après, il faut avoir cassé une tour. Voilà. Ils rentrent dedans. Il casse le deuxième mur et après c'est que de la terre. Donc voilà quoi. Après, je sais pas, c'est à vous de voir. Dites-moi ce que vous en pensez personnellement. Qu'est-ce que je devrais mettre dans les tours? Oh. Ah, je pense. On pourrait mettre des beacons. Dites-moi ce que vous en pensez de cette idée. Après, c'est peut-être une idée farfelue, hein, mais mettre des beacons... Attendez, qu'est-ce qu'on a un truc avec les beacons? Genre mettre des beacons résistance ou... Je sais pas. Non, je sais pas. Ça me paraît un peu farfelu, là, les beacons. Les beacons dans un FK, j'ai jamais vu ça, moi, bon, c'est pas grave. Je sais pas, je suis un peu, je sais pas, non, je pense pas que ça serait intéressant, non, je vais pas faire ça, oublie ce que j'ai dit avec le beacon, c'est con, ouais, c'est con, c'est même complètement débile, bon, c'est pas grave, on a le droit d'avoir des idées, hein, écoutez, toute suggestion est la bienvenue, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voulez dans les tours, l'histoire des beacons, c'est même pas la peine, parce que ça serait cheat, complètement. Et puis bah voilà. Dites-moi ce que vous en pensez personnellement. Voilà. Bah pour l'instant, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Hein? Ouais, c'est tout. Il y a ça que vous devez me dire. Bah, ça se trouve, je l'ai déjà eu, hein, parce que j'avais posé déjà dans le dernier épisode. On va aller mettre quelques objectifs. On va réfléchir. Et après, je vais retourner aider Nikos, parce que je commence à en avoir marre, en fait. Et tiens, on peut meubler la maison, ici. Ça va être une bonne chose. Allez, c'est parti, on va meubler la baraque. Regardez, hop, 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 hop. Non, on fait peur. Voilà. Voilà. Alors. Non. Prendre de la pierre. Ça va casser le bois, en fait. Alors, un petit truc décoratif, quelques sauts, oh là, ça peut être intéressant. Hop, petit cactus pour faire beau. Alors, ça c'est une porte en bois, donc c'est complètement débile d'avoir mis ça. Je sais pas c'est qui a mis ça. J'espère que c'est pas mon frère. Lol. Ouais, parce que c'est bête en fait. C'est une porte en bois, donc on peut l'ouvrir comme ça, donc on va le laisser comme ça. Chaudron, bon, bien sûr, après tout ce qui est dans les maisons décoratives, c'est pas récupérable. Après, si les gens ils trichent, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais sachez-le. Voilà. Voilà, donc ici. On va mettre ça. Et ici, genre, on va mettre. Voilà.
Alors, ici on peut claquer des bibliothèques. Alors, hop, avec les petites demi-dolles là, on pourrait faire bien. Voilà, donc le premier rez-de-chaussée est placé. On va faire ici, donc, alors, le plafond par contre, on va rien mettre. Vous savez quoi, on va même le clôturer, on va rien mettre dedans. Voilà. Alors, il n'y a pas de plafond. Il y a juste un étage. Donc, j'avais commencé à mettre ça. J'ai mis une table d'enchant. Comme un level. D'accord. Va level. Et on peut facilement avoir du protection 4. Et donc là, on peut mettre des bibliothèques. Voilà. Bah ouais hein. Voilà. Ah, 24 levels. 25. On va essayer d'avoir un 25. Et ta mère, donne-moi un 25, bâtard. Putain, il y avait 25, je l'ai zappé. Ta mère, donne-moi un 25. Oh, il commence à me courir sur le haricot. Hein. Oh, 26, encore mieux. Châtiment 3. Ouais. On va dire qu'il y a mieux, quoi. Génial! Deux villageois assez intelligents. Voilà. Ça c'est le maire, ça c'est le père. Donc la mère, le père, et ça c'est les enfants. Alors, en fait c'est des prisonniers, voilà. Voilà, c'est les prisonniers. Voilà. Ah ouais, tiens. On va des objectifs. Donc n'hésitez pas à m'en donner, hein, parce que toujours, il n'y en a toujours que 3. Alors attendez, on va regarder dans le truc là. Voilà. À voir. Un golem. Voilà. Un golem. Que ce soit de fer ou d'or, c'est la même chose. Avoir un golem. Un golem, c'est un golem. Voilà. Un golem de fer ou d'or. Et je suis balèze, moi. Un golem de fer ou de neige, c'est la même chose, c'est un golem dans tous les cas. Voilà, on va continuer, on va revenir aider Nico parce que, vous voyez, il a fixé déjà, passe vite. Allez, c'est parti. Puis on va bientôt s'arrêter là parce qu'il est déjà 18h51, ça passe vite, hein. Ça passe vite. De 19, oh là là. C'est quoi, j'ai trop envie de faire un GTO. Ah d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas trop la série pour, mais bon. Dites-moi si vous voulez des délires sur GTO. Parce que je l'ai sur PS4 maintenant, donc éventuellement je peux vous faire ça. Après, c'est à vous de voir ce que vous en pensez. Mais personnellement, il y a possibilité pour que je fasse ça. Voilà, donc je vous le dis. Si vous voulez des délires sur GTO, n'hésitez pas. Je peux éventuellement vous en fournir. Ça pourrait être intéressant. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait en plus. Vous savez ce que je vais faire?
Je vais faire une adaptation de. Avant de faire des vidéos délire sur GTA PS4, je vais faire une adaptation. On va passer de GTA PS3 à GTA PS4. Donc on aura un délire des deux. On aura Je vais passer d'un délire sur PS3 à un délire sur PS4. Voilà. On va faire un montage et tout. Mais là, ça va faire assez bien. Faut juste que je tourne un délire sur PS3 en fait. Je vais le faire avec les personnes que je pense que je vais faire, vous inquiétez pas. Ouais. Je vais faire ça. Putain, ça l'enculé, tu m'as piqué mon travail. Mec. Donc voilà. Je vais finir cette ligne. Et on va s'arrêter là. Voilà. On va s'arrêter là. Pour cet épisode. Dites-moi ce que vous voulez dans les tours. Dites-moi plein de choses. Dites-moi tout ce que je vous ai demandé dans les épisodes. Si vous voulez des délires sur GTA PS4, si vous voulez. Voilà. Bref. Parce que je vais pas faire des trucs qui vous intéressent pas quand même. C'est quand même. C'est pas mon but en fait. Donc. Voilà. J'espère que cet épisode numéro 5 de Wall Building vous aura plu. Si jamais il vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce vert. Si jamais vous avez un commentaire à me faire passer, n'hésitez pas. La barre des commentaires. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. Et puis sur ce, bah moi je vous dis. Ah oui, moi j'ai mal. Et, bref, on oublie. Je vous dis à demain. Non, pas demain. Excusez-moi. Je vous dis bon FK parce que demain, la map FK numéro 9 sort. Allez, bye tout le monde.